bonjour à tous. Aujourd'hui, waouh, bah c'est quoi, monsieur? Eh bien, écoutez bien. Évidemment, c'est une Fender, pas n'importe laquelle, une Broadcaster. Eh ouais, on est bien dans les années 50, et cette Broadcaster, c'est un custom shop. Donc des guitares un petit peu exceptionnelles. Alors ça, c'est une Heavy Relic. Alors Heavy Relic, parce que ben ouais, elle a fait la guerre, la petite. Donc, alors c'est comme si elle est sortie directement d'un bouclard en 51. Je viens de l'acheter, en fin de compte, c'est une vraie. Non, c'est une custom shop. Heavy Relic. Et ça va loin, hein. Pit guard. Et regardez le manche. Eh ouais, on a joué, hein. On a changé des jeux de cordes là-dessus, mon petit bonhomme. Ça ne rigole pas. La tête, hein, plutôt sympa tout ça. L'arrière du manche. Ouh. Eh ouais, hein. Évidemment. Le Custom Shop. Alors voilà à quoi ça ressemble une Broadcaster Custom Shop Heavy Relic. C'est fait à la main entièrement à Corona dans le service Custom Shop, évidemment. C'est livré dans un étui tout flambant avec plein de choses dedans. On a même un autre circuit FAT pour changer tout notre circuit ici. En fin de compte, ça, c'est un corps en frêne. Oui, du frêne. On a un manche en érable. Jusque-là, tout va bien. Des micros 50-51 Bloodgird. C'est Bobine et la Pogne, évidemment, hein, voilà. C'est une blonde. Bon, ouais, une blonde qui a fait un petit peu... quelques tournées, hein. Bon, le gars, bon, ben, voilà, quoi. Il sortait le soir avec, bon, ben... C'est un petit peu ça, puisque là, évidemment, la guitare, elle existe en plusieurs finitions. Toujours pour la blonde. On va avoir des finitions neuves, on va avoir des finitions reliques, heavy reliques, etc. Donc, on va la trouver exactement aussi où en état, on va dire, neuf, hein, et toujours en custom shop. Donc voilà, une guitare qui va pouvoir évoluer. Moi, je l'aime bien en Heavy Relic. Alors, encore une fois, c'est des parties prises sur la Relic. En tout cas, ça sonne, hein. Ouais, bon, ben voilà, hein, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Un mec que j'aime bien, monsieur Keith Richards. En tout cas, lui, il en a aussi, mais il enlève la corde demi et il joue en open 2G. Ce que j'ai pas fait là, hein, quand même, parce que c'est un peu de boulot pour le prochain client qui va prendre l'appel. Super guitare! Encore une fois, avec un manche typé 50, j'aime bien. On a de la matière dans la main. Très très léger, facile à jouer. Encore une fois, là, je vais la changer un tout petit peu de son. Je vais passer sur mon micro manche. Ça, j'aime bien, vous allez voir. Hein. C'est fin, ça, je m'en chante fin. Hein. Ouais, hein, ça le fait. Hein. Ouais. Sens du terme, hein. Yeah.
Bel engin, hein. Encore une fois, le custom shop de chez Fender. Ça marche. Ça marche fort. Je voulais pas voir le case, hein, parce que le case est magnifique. C'est vrai que j'aurais pu faire le voir. Il y a des photos qui vont tourner sur les Facebook, tout ça, vous pourrez les voir. En tout cas, voilà ce que c'est qu'une Broadcaster Heavy Relic de chez Monsieur Fender. C'est très léger, putain, ça c'est une arme de guerre, hein. Oh, voilà, vers un bip parce que j'ai dit un gros mot, je pense. En tout cas, moi, cette grave, ben voilà, c'est un truc que j'aime bien. Même, on peut même essayer de faire des choses avec qui sont interdites, normalement, dans les années 50, hein. Aussi. Alors, c'est du heavy relic. Sachez quand même que ça existe dans d'autres finitions neuves, reliques, etc. Un peu moins upgradées, etc. Donc, important, hein, savoir que cette guitare, c'est un morceau d'histoire. Hein. Alors, pas grand chose à dire que venir la jouer, l'essayer, tais-toi, toi. La venir l'essayer pour voir. Ça marche. J'arrête là, sinon je continue sans arrêt. En tout cas, moi je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Ciao.